Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Pour dénoncer le comportement raciste du gouvernement américain par rapport à la patriote qui ont été esclaves. Nous là pour dire que Haïtien, c'est Haïtien pour qu'il y ait un pays américain responsable. C'est Américain qui vole leur richesse tout. En 1915, 1914, nous débarquons, nous prenons une réserve d'or nous. C'est présent, nous pouvons remettre une réserve d'or nous. Deux, nous avons soutenu des régimes gangs corrompus qui vont être un pays qui fait que pas de compréhension d'éducation, de santé, de service. Donc si bien tout l'enfer, Américain responsable, nous là pour dire que tout haïtien devait débarquer aux États-Unis pour aller prendre des comptes sur comme nous le prenons et sur façon notre pays en otage avec des racketeurs volants haïtiens que des fois les terrains pour le pays. Nous disons que tout haïtien, nous avons le choix, c'est lever campé pour nous prendre droit de nous. Et nous avons dénoncé tout le monde. D'un coup, Ariel Henry, d'un coup, Lambert, d'un coup, Martelly Lamotte. Tout l'exemple du pays à côté de la Yodie. Pour dire, peuple là, il faut identifier tout le choule blanc pour mettre dans la poubelle l'histoire. Parce que yo, ça a fait un peu sa vie, il faut bientôt le faire. Donc, l'Américain responsable, qui est bientôt le faire. Donc, je veux dire, il va nous maltraiter et comme ça, comment dire tout yo. Et nous, attendez-nous, que le gouvernement ne va pas dire rien. Parce que ce qu'on reste avec, c'est bien qu'il mette. Donc, tout ça, bien qu'il dit, c'est oui, amen. Nous mettons des dirigeants qui sont figés, qui sont caractères. Nous pouvons être que pays est capable de prendre direction. Nous là pour nous protester contre le racisme américain, contre le traitement de pays haïtien. Et pour dire que le pays est comme on l'a fait, parce que l'Américain est très souvent en affaire. Pour dénoncer le comportement raciste, gouvernement américain par rapport à la patriote qui ont été esclaves. Nous là pour dire que haïtien, c'est haïtien pour qu'il y ait un pays américain responsable. C'est américain qui vole leur richesse tout. En 1915, 1914, nous débarquons, nous prenons une réserve d'or nous. C'est présent, nous pouvons remettre une réserve d'or nous. Deux, nous avons soutenu des régimes gangs corrompus qui vont être un pays qui fait que pas de compréhension d'éducation, de santé, de service. Donc si bien tout l'enfer, américain responsable, nous là pour dire que tout haïtien devait débarquer aux États-Unis pour aller prendre des comptes sur comme nous le prenons et sur façon notre pays en otage avec des racketeurs volants haïtiens que des fois les terrains païens pour dire pays. Nous disons que tout haïtien, nous avons le choix, c'est lever campé pour nous prendre droit de nous. Et nous avons dénoncé tout choule américain. D'un coup, Ariel Henry, d'un coup, Lambert, d'un coup, Martelly Lamotte. Tout l'exemple du pays à côté de la Yodie. Pour dire, peuple là, il faut identifier tout le blanc pour mettre dans la poubelle l'histoire. Parce que yo, ça a fait un peu sa vie, il faut bientôt le faire. Donc, l'Américain responsable, c'est bientôt le faire. Donc, je veux dire, il va nous maltraiter et comme ça, comment dire tout yo. Et nous, attendez-nous, que le gouvernement ne va pas dire rien. Parce que ce qu'on reste avec, c'est bien qu'il mette. Donc, tout ça, bien qu'il dit, c'est oui, amen. Nous mettons des dirigeants qui sont figés, qui sont caractères. Nous pouvons être que le pays est capable de prendre direction. Nous là pour protester contre le racisme américain, contre le traitement de pays haïtien. Et pour dire que le pays est comme on l'a fait, parce que l'Américain est très souvent en affaire. Pour dénoncer le comportement raciste du gouvernement américain par rapport à la patriote qui ont été esclaves. Nous là pour dire que haïtien, c'est haïtien pour qu'il y ait un pays américain responsable. C'est américain qui vole leur richesse tout. En 1915, 1914, nous débarquons, nous prenons une réserve d'or nous. C'est présent, nous pouvons remettre une réserve d'or nous. Deux, nous avons soutenu des régimes gangs corrompus qui vont être un pays qui fait que pas de compréhension d'éducation, de santé, de service. Donc si bien tout l'enfer, américain responsable, nous là pour dire que tout haïtien devait débarquer aux États-Unis pour aller prendre des comptes sur comme nous le prenons et sur façon notre pays en otage avec des racketeurs volants haïtiens que des fois les terrains païens pour dire pays. Nous disons que tout haïtien, nous avons le choix, c'est lever campé pour nous prendre droit de nous.
et n'a dénoncé tout choule américain yo tant coup Ariel Henry tant coup Lambert tant coup Batelli Lamotte tout l'exemple du pays côté là yo dire pour dire peuple là faut identifier tout choule blanc yo pour mettre dans poubelle l'histoire parce que yo ça fait de sa vie pour bientôt on l'a fait. Donc, Derrick est responsable que bientôt on l'a fait. Donc, je veux dire, il va nous maltraiter et comme ça, comme on dit à tout le monde. Et nous, attendez-nous, que le gouvernement ne va pas dire rien. Parce que ce qu'on reste avec, c'est bien qu'il mette. Donc, tout ça, bien qu'il dit, c'est oui, amen. Nous, bien qu'il dit, qui est figé, qui est caractère, pour permettre que le pays est capable de prendre direction. Nous, là, pour protester contre le racisme américain, contre le traitement de pays haïtien. Et pour dire que le pays est comme on l'a fait. Parce que mérité que son meilleur affaire. Là, pour dénoncer le comportement raciste, le gouvernement américain par rapport à la patrie de nous, qui ont été des esclaves, des couchiers. Nous, nous connaissons ensemble d'organisations de base et qui sous l'égide chemin de l'Ivresse Haïti. Et bien nous dans la rue à matin, pour l'autre fois, pour nous capables de rappeler avec les États-Unis d'Amérique, pour nous capables de rappeler avec tout le monde qui oublie l'histoire peuple ça, pour nous faire comprendre que la guerre de Savannah qui était faite côté que 100 haïtiens s'est écoulé pour permettre que les États-Unis s'allient aujourd'hui. Les États-Unis, à travers le gouvernement Biden, bye et frère nous, action nous haïtiens. Et bien nous-mêmes, les jeunes garçons et jeunes femmes, qui connaissent le passé, nous, qui connaissent l'histoire, nous décidons que nous ne pouvons pas boire ça pour les États-Unis. Puisque tout le monde connaît, c'est qu'un groupe qui mettait nous ça. C'est l'ambassade américaine, c'est la communauté internationale là, qui participait à mettre nous dans cette année-là. Et bien je dis à nous-mêmes, nous décidons de prendre la rue, nous braver la rue pour nous venir à la communauté internationale là. Dans ça, nous sommes là, c'est où mettez-nous la donne. Au lieu que vous définissez un plan de développement ensemble avec nous, sous une génération, sous deux générations, je dis à. Vous mettez notre situation côté que vous exploitez nous. Et je dis, c'est même vous-même qui avez humilié les peuples haïtiens pendant ce temps que 30 000 Afghans la caillou. Donc, notre sens, nous-mêmes nous disons, les États-Unis, il n'y a pas besoin de manger, oublier. La guerre de Savannah, c'est Haïti qui a fait l'ensemble avec lui. Il dit, Nabdi Biden, il n'y a pas besoin de manger, oublier. C'est Haïti qui est dans la diaspora, qui a pris Kobio, qui a fait campagne pour le président. Mais je dis, libre nous monnaie pièce nous, libre nous résultats. Et nous disons, nous allons continuer le match là pour nous faire un signal très clair par la communauté internationale. Pendant que nous avons 10 dirigeants ici, nous ne pouvons pas gagner 3 mois depuis que le président est assassiné. Nous ne pouvons jamais d'accord appliquer la loi pour mettre un président dans notre pays, pour mettre un gouvernement capable d'assumer le problème de pays. Notre sens, nous-mêmes, nous disons, nous ne pouvons pas camper, vous mettez. Allez, la presse, ça m'a demandé, justice pour. M'a demandé justice pour Haïti. Parce que nous ne pouvons pas arrêter de souffrir comme ça. Nous sommes encore gang à Haïti, nous ne pouvons pas supporter encore, kidnapping tout partout. Blanc fait nous passer misère, nous prenons Haïti, nous faisons 8 jours sans manger, sans boire. Ça l'a demandé, la demande de justice. Blanc passer son bon blanc sans caractère, sans dignité. Il a fait nous souffrir. Mais nous connaissons les Haïti à une justice quand même. Même si nous avons souffert avec patience, nous connaissons le bon diable délivré Haïti quand même dans sa nouille. Nous même c'est nègre nous y est, on lion est en lion. Et puis nous dans l'arrière, en grand monde, nous ne pouvons pas faire peur. Conférence de presse, ça, son conférence de presse qui est consacrée au dossier des prisonniers politiques et nous pas capable pas dire deux mots sous climat insécurité qui a crasé pays et rapidement il doit faire la démarcation. C'est le citoyen qui est là, l'avocat qui est là, c'est pas le porte-parole du secteur démocratique et populaire. Et d'abord, dans la question d'insécurité, nous constatons qu'on remonte du climat d'insécurité à Port-au-Prince. On remonte des actes
de kidnapping à Port-au-Prince. Et nous tous nous connaissons que notre pays, Haïti, a été gangstérisé pendant les 10 dernières années. PHTKistes, jovenelistes, yo tout martyri Jovenel Moïse, la politique qu'ils ont appliquée dans ce pays pendant les 10 dernières années, c'était une politique criminelle. C'était utiliser gang yo pour prendre contrôle quartier populaire. Nous tous nous connaissons, c'est Jovenel qui était fait Genève. Bon, on peut parler mal des monde qui mourit, mais il faut toujours dire la vérité. Ça veut dire que ça, ça n'a vive la jodia, c'est la résultante de la politique criminelle qui a été menée dans ce pays par l'équipe PHTK et alliés. Et jodia, nous demandons que des changements puissent se réaliser au niveau du leadership de la police nationale d'Haïti. Et pour son PAM comme citoyen, pour nous comme citoyens, pour nous comme avocats, il est évident que le leadership de la police nationale d'Haïti a failli à sa mission de garantir l'ordre public. Il n'y a aucun problème avec M. Léon Charles. D'ailleurs, je ne le connais même pas. Beaucoup j'aime rencontrer un jour dans la vie. Il n'y a pas de problème personnel avec lui. Mais la vérité, c'est que ça fait un bon bout de temps, depuis qu'il dirige l'institution policière, il a totalement failli. Il n'a pas pu mettre de l'ordre dans la cité. Il n'a pas pu protéger les citoyens. D'ailleurs, même Jovenel Moïse, il n'a pas de cas protégé. Et depuis le sang, en principe, il aurait dû donner sa démission. Parce qu'un chef de la police qui n'arrive pas à protéger le président, même s'il est un président de facto, c'est un chef de la police qui ne peut protéger personne. Si Léon Charles n'a pas de cas protéger Jovenel Moïse, et pas moi avec vous, il pourra le protéger. Bref, il faut des changements au niveau du leadership de la police nationale d'Haïti. Et M. Ariel Henry, Premier ministre, doit assumer ses responsabilités. D'ailleurs, l'accord du 11 septembre 2021 pour une gouvernance apaisée dit très clairement qu'il faut gagner de changements, il faut gagner trois lettres, il faut gagner un coup de balai qui fait au plus haut niveau de la police nationale d'Haïti, que vous prenez responsabilité. Donc, nous condamnons ça à passer, hein? Parce que le pays a pris en otage, il y a des groupes criminels qui ont toujours été et qui sont encore à la solde de cette équipe qui a dirigé le pays pendant 10 ans, qui continue de créer le chaos dans ce pays. Il faut mettre de l'ordre et nous allons dire nos bagailles. Le plus gros mal qui est arrivé au pays d'Haïti, c'est si c'est même Mounsaïo qui vient reprendre le pouvoir encore. J'avais dit, si qu'on y a, yo gagne une prochaine élection qui a bien pour faire, si le pays a gagné 1000 chefs gangs, 1000 assassins, 1000 criminels, l'a multiplié par 100, c'est-à-dire n'a bien 100 000. Voilà la responsabilité de la population. En ce qui concerne le dossier des prisonniers politiques, et nous tous nous connaissons, Maître Arnel Rémy-Til, Maître Maisonneuve, Sautil, il y avait des obstacles sur le chemin de la libération des prisonniers politiques. Malgré tout effort, Maître Maisonneuve fait, Maître Arnel Rémy fait. Malgré tout effort, Maître Caleb Jean-Baptiste fait. Malgré tout effort, Maître Camille Leblanc fait, Maître Palvin, tout l'autre avocat est au fait, il n'y a pas de gens capables de libérer les prisonniers politiques. Parce que quand vous intentez une action en habeas corpus, la Constitution dit très clairement que le doyen décide sur les conclusions du commissaire du gouvernement. Automatiquement, le commissaire du gouvernement n'est pas venu, ça veut dire action n'a pas aucune chance pour l'aboutir. Et c'est ce qui s'est passé avec les différents dossiers. Quitte ces dossiers à Belson Bonnec, quitte ces dossiers à Anel Belize, Kilik Babas, dossier Inalcou 3, etc. On n'a pas pu obtenir les résultats escomptés parce qu'il y avait des obstacles. Claude Bedford était là au parquet de Port-au-Prince. Ophélie Vincent était là comme ministre de la Justice. Avec l'accord que nous avons signé, nous disons que les obstacles politiques, en principe, ont été levés. Et demain, dossier Côtois, dossier Abelson Bonnec, il a passé devant Bernard Saint-Ville. Et je demande à Maître Bernard Saint-Ville, doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, d'assumer ses responsabilités. De comprendre, quitte c'est Rinal Côtois, ce policier qui a été arrêté injustement, illégalement, quitte c'est Abelson Bonnec, ce sont des prisonniers politiques, il est venu le temps de les mettre en liberté. Et la première responsabilité de ce gouvernement, c'est de faciliter
l'évacuation des dossiers des différents prisonniers politiques. Il y a aussi une interdiction de départ qui a été prise par Jovenel Moïse contre Maître Joseph Mécène Jean-Louis, le juge le plus ancien à la Cour de cassation. Ce dossier sera plaidé par devant le doyen d'ici mercredi. Là encore, le doyen aura assumé ses responsabilités. Que dossier prisonnier politique qui est en cours d'appel, Anel Bélisère, Kilig, Joanel Paul et Gary Philemon et consorts, dossier ça n'a avancé avec lui. Matin, on parle avec M. Camille Leblanc, qui est capable de et qui a plus d'expérience en même temps, nous, il faut toujours apprécier l'expérience de l'autre, surtout en matière de droit. La travaille actuellement son requête pour nous capables de mettre en état, pour nous capables de faire dossier prisonnier politique, ça y est, plaider devant cour d'appel le plus vite possible. Parce que pour nous, pas capable d'un obstacle. Pas capable d'un commissaire du gouvernement qui doit venir en audience. Pas capable d'aucun commissaire du gouvernement qui a campé pour devoir bloquer le dossier. Parce que M. Ariel Henry s'est engagé dans l'accord pour faire évacuer les dossiers des prisonniers politiques. Nous pas capables de gagner prisonniers politiques. Prisonniers politiques, vous l'avez dit, c'est des gens arrêtés pour opinion politique. Ils ont arrêté parce qu'ils étaient contre la manifestation. Ils ont arrêté parce qu'ils ont dit qu'ils avaient un problème avec PHTK, avec Jovenel Moïse. Ce sont des prisonniers politiques. Il faut les libérer. Les dossiers avancent. Et je félicite mes confrères et consoeurs qui sont là pour effort au fait dans le dossier ça. Féliciter M. Caleb, Jean-Baptiste, féliciter M. Leblanc, M. Lafortune, M. Palvin, tout l'autre, parce que les dossiers des prisonniers politiques n'ont pas de maître. Pas de monde qui met dossier prisonniers politiques, parce qu'il n'y a pas d'honoraire à partager dans ces dossiers. Pas bon, nous avons libéré que vous encore barreau. Tous les avocats, toutes les avocates engagées dans ce combat, nous devons mettre tête au travail pour obtenir le plus vite possible la libération des prisonniers politiques. Et moi, espérer, semaine ça même, n'a commencé à joindre résultat. Je le redis encore une fois, la première responsabilité de ce gouvernement, attention M. Ariel Henry, attention Doyen, attention commissaire du gouvernement, la première responsabilité de l'État aujourd'hui est de faire libérer les prisonniers politiques. Nous attendons le gouvernement à l'œuvre, nous attendons les autorités judiciaires à l'œuvre, parce que demain, nous pourrons le plaider pour de la dent, après nous pourrons le plaider interdiction de départ mécène, et dans le jour qui vient, nous pourrons le coup d'appel pour Anel Bélisère, Kilig, Baba, Joanel Paul, Philemon et Latrier. Il faut faire avancer ces dossiers. Qui est-ce qui a signé l'arrêté qui nomme actuel ministre de justice là en place pour Philippe Vincent? Qui est-ce qui a nommé M. Josué Pierre-Louis comme secrétaire général du Conseil des ministres en remplacement de M. Lubéris? C'est Ariel Henry. Cela veut dire quoi? Nous sommes dans une situation exceptionnelle et l'accord politique donne provision spéciale à M. Ariel Henry pour agir en ce sens. Oui, il peut et oui, il devra le faire. Parce que nous n'avons jamais capable de quitter le pays à craser et puis Léon Chalap pas osé et puis il n'est pas capable de garantir la sécurité des citoyens. C'est simple. Maintenant, en ce qui concerne Valbouin, je n'ai plus pitié pour lui. Tu vois, je n'ai plus pitié pour lui, il ne comprend absolument rien. Je me demande est-ce qu'il n'a pas perdu le Nord. Il ne comprend rien. Il y a des gens qui disent c'est secrétaire général de la présidence. Je sais conseiller président qui a parlé. Bon, président a mouru et puis il même là toujours. Bref, ça n'a aucun sens. Et moniteur pas sous responsabilité. Li. Président mouru et puis là lui-même, il est toujours chef. Il conseille le président, c'est lui qui a géré le président. Président mouru, il est toujours là. Bref, non, non soyons sérieux. Non, ça n'a aucun sens. Bref. Et moi, je crois que c'est des questions, à mon sens, qui ne sont pas posées du tout. Qu'est-ce qu'on appelle un contexte spécial? Le 7 juillet 2021, M. Jovenel Moïse, président de facto, a été exécuté chez lui. Étant donné que l'heure où tu es là, mandat de guette en fini, étant donné que toute institution crasée, cela a plongé le pays dans une situation particulière. Et là, on a une situation particulière. Ça veut dire pas une provision constitutionnelle pour faire rien. Pas une provision constitutionnelle pour mettre un gouvernement. Je dis, parce qu'on n'est pas capable. Obligé de recourir
à un accord politique. L'accord politique crée ce que nous appelons en science politique le droit de la crise. C'est comme ça le fait partout à travers le monde. Et le droit de la crise, qui est l'accord du 11 septembre 2021, donne à M. Ariel Henry provision pour agir pendant cette période spéciale, en attendant que gagne l'élection qui fait et que le pays soit confié à des autorités légitimes sorties d'élections libres, honnêtes et démocratiques. C'est la règle. C'est comme ça le fait chaque fois. Dans un contexte spécial, on fait un accord. L'accord permet de traverser la période spéciale en attendant qu'on retourne à l'ordre démocratique, au fonctionnement régulier des institutions. Et ça, il faut le comprendre. Est-ce qu'il y a un risque pour l'accord ça pas appliqué, de considérer les dernières déclarations de Daniel Foutio et puis qui est venu passer par annulation cérémonie lancement qui est fait vendredi passé. Est-ce que nous pas craindre pour zéro risque. Zéro risque. Il n'y a aucun risque. Et au moment où je vous parle, bon, je ne vais pas venir pour ça. Parce que je me dis, c'est pas politique qu'il a, c'est l'avocat, c'est le citoyen. Non, comme disait le professeur Maniga, c'est un seul livre de rêve, m'a répondu. Et écoutez, accord obligé à appliquer. Et pendant que je parle avec vous là, il y a une discussion qui a fait. Je vais commencer le processus pour monter le conseil électoral provisoire. Pendant que je parle avec vous là, il y a une discussion qui a fait pour la mise en place du gouvernement de consensus. Je dois commencer. Et pendant que je parle avec vous là, demain, si Dieu veut, nous pourrons plaider à habeas corpus et parquet à obligé présent. Avant, chaque fois que vous avez habeas corpus, le commissaire du gouvernement va jamais là. Parce qu'il y avait des obstacles. Mais demain, obligé qu'un commissaire du gouvernement n'a pas là. C'est l'accord qui a déjà commencé à appliquer. Madame Michel. Bref, Madame Michel. Bon, mes amis. Par rapport à la suspicion qui gagne sous le Premier ministre et Ariel Henry comme un homme qui a été confié au lot. Avec présumé auteur qui assassine le président Jovenel là, comment nous voyons ça? Belle question. Pour moi, opinion pas moi, je dis deux bagailles. Première chose, dans une république, personne n'est au-dessus de la loi. Si M. Ariel Henry, il y a des questions pour répondre à la justice, dans le cadre de l'assassinat de M. Moïse, il doit constituer avocat pour assurer sa défense. Parce que, un, c'est un principe. Deuxièmement, pour moi, M. Henry, il fait un coup magistral. Parce que devant les Nations Unies, M. Mandon en traite judiciaire internationale. Attention, hein. Avait dit, M. Mandé, pour qu'une enquête internationale soit assassinée à Jovenel Moïse. Avait dit, prêt pour le mettre à la disposition de la justice. Parce que si vous avez une enquête, il attendait tout le monde. Parce qu'on a son dossier, on a essayé de la connotation. Mais avec cette demande d'entraide judiciaire internationale, qu'il a produite par devant l'Assemblée générale des Nations Unies, pour moi, sont avancées spectaculaires dans le dossier. Ça. Parce que moi-même, en tant que citoyen, j'ai bien aimé qu'on ait. Qui est-ce qui t'a tué Jovenel Moïse? Et pour qui ça, il a assassiné? C'est le principe. Bref, il faut attendre. Non seulement il y a un juge d'instruction qui travaille sur le dossier, et deuxièmement, il y a une demande d'entraide judiciaire internationale qui a été produite par devant les Nations Unies. Ça veut dire qui ça? C'est un dossier qui fait son cours. Pas d'anticipation, nous devons attendre. Moi-même, j'ai besoin qu'on ait. Qui est-ce qui fait bagaille ça? Côté complicité à sortir. Qui est-ce qui paye l'argent pour faire bagaille ça? Combien cob qui dépensé? Quels sont les motifs? Quel est le mobile? Je veux savoir en tant que citoyen. Merci. Je dis à c'est avec en pile tristesse que SPNH 17 a salué nous la presse qui est toujours là pour faire arriver bien loin. Revendication nous. Nous saluons également la population haïtienne qui toujours campé de côté. Nous saluons les policiers en général pour qui n'a subi trois revendications avec un pile courage, un pile détermination. Confiance fait nous, c'est l'huile dans notre mobilisation pour nous capables d'avancer. En plus, nous avons demandé. Côté-nous, qui ça qui passe nous? Eh bien, n'a dit nous que SPN 17 là. Nous chita sous tiches ban, n'a suivi, n'a gardé dans gros lunettes, ça qui a passé dans le moment ça. Monsieur, dame,
bagay la vraiment triste. Bagay yo bon goût en mec ou fiel. Glo continue à pomper dans gène. Surtout les n'a gardé façon que yo traité frère nou yo, sœur nou yo qui courir à chercher un petit refuge dans youn nan pays zami Haïti yo. Bagay la triste. Bagay la révoltant. Nous, Espérance 17, nous sentons nous à manger. Nous avons gardé pendant 9 mois ça yon fait avec l'institution. J'en yon traîné l'institution dans la boue. Nous avons demandé même si l'institution ça bâtonne la boue. L'institution a perdu toute fierté, toute dignité avec yon ou état-major qui vini, qui retire, éliminer même confiance population non institution, confiance policier, policier en dans institution. Neuf mois, opération bidon, opération tournée en drame, avec résultat zéro. 9 mois que policiers ont plus recherché, persécuté, arrêté en gros bourret des de la loi à principe même qui c'est force institution. Tandis que bandit eux-mêmes, ils relax, ils a ferraillé, ils a fait des faits ou même senti que ils prennent place institution. Au final, policiers démotivés, kidnapping chaque jour, mouna mouri tabal, fédération gagnant fait que, vient d'essayer de côté là, ou pas qu'à passer, ou bien leur film passé, c'est pour aller pour dire, oh, on y va, gloire à Dieu. Et puis population lui-même, lui aux abois. Espérance 17, notre capacité de prévention et anticipation te qu'on toujours à tirer sonnette d'alarme pour dire que route que apprend avec institution là route ça n'est pas bon route ça c'est notre trou que l'a mené institution au lieu que on te fait corps avec nous au lieu que on te bon comme des collaborateurs au lieu que on te tendez nous on te fait choix de préférence pour courir derrière nous pour pourchasser nous, pour arrêter nous, au lieu que pour tachita, pour corriger ce qui méritait corriger. Dans toute persécution que nous avons subi, nous-mêmes, arrivés perdus, nous, dans membres nous, nos frères nous, nos collègues, nos amis, qui sont délégués de Gabi Jeffroy, qui étaient chers pour nous, et que nous ne pouvons jamais oublier. Pour qu'on y a, plus gros douleur nous, c'est Adelson Gounek. Que vous arrêtez en dehors de la loi. Que vous arrêtez de façon que nous tous nous connaissons. Donc, comme tout ça que nous avons manigancé, vous êtes capable d'arrêter Adelson Gounek, la Kaili. Nous disons 6 mois là, depuis que nous avons monté des sommes, ensemble avec batterie, avocat nous. Principalement l'infatigable maître Anel Rémy. Côté que a cherché faire tout ça que la loi lui-même lui prévoit pour capable laguer à Belson Gounek. Malheureusement, gédé le ou a cherché doyen pas ka joindre doyen, ou a cherché commissaire du gouvernement ou pas capable joindre. Et c'est pas seulement pour Belson Gounek, nous gagnons également Renal Coutrois et Saint-Jean-Saint-Philippe qui a arrêté illégalement. Tout le policier qui a arrêté de manière illégale, nous-mêmes, on est dans l'Espérance 17, dans la bataille, nous sommes capables de jouer. Comment nous capables de jouer la libération? Et jusqu'à ce moment que nous avons parlé là, nous continuons à arrêter les policiers en gros point. Si vous avez bien besoin, ou un policier, par uniforme tête, ou par finir, mais j'en marché, j'en fonctionner,
On t'a dans nos oreilles, monsieur, on dit, policier, ça a aucun problème avec le puis arrêté. J'ai ouvert, tu as arrêté à 9h, à 5h, tout dossier, tout bagage a sorti pour lui. Espérance 17, mandé à l'État central, pour lui dire un mot, pour lui suspendre la persécution, pour lui libérer sans condition Abelson Gonègue. Nous perdons déjà, nous crions déjà, nous pas crier encore, nous pas perdu Abelson Gonègue. Nous demandons pour nous rentrer tout mandat, mandat contre ancienne coordonnatrice nous, Yannick Joseph, mandat contre actuel coordonnateur nous, Elder Lundi, mandat contre adjoint et coordonnateur adjoint nous, Carlos Santorex. Contre trésorier nous, Mambouin Gédéon, contre délégué nous, Antoine Dario, contre deuxième délégué nous, Saint-Hilaire Rodzel, contre également conseiller nous, Pascal Alexandre. Action sa yo, c'est principale cause de démobilisation policier, la police là. C'est principale cause démoralisation la police là. Les policiers ont gardé les gens qui ont arrêté les policiers. Ils ont arrêté également membres de la structure que eux-mêmes ont mis les pieds à terre. Ils ont marché, aller juste dans la direction générale pour demander et pour gagner le syndicat en dedans, la police là, qui pour défendre par rapport avec ça qu'ils ont subi. Et puis pour qu'on y a là, pour ces membres qui n'ont pas chassé, ces membres qui n'ont pas arrêté de manière illégale et arbitraire, et nous mettez à vivre recherche derrière. Toute action ça y est, démobiliser policiers, démoraliser, fait que policiers ne pas senti capable de bail service encore. Et puis gens que ils ont été sermentés pour bail, tout yo même tout membre non utile paysan, non bail paysan service. Yo pas senti que yo gagne même courage ça encore. C'est ça que fait. Nous-mêmes, SPNA 17, n'a demandé avec pouvoir, pour n'a demandé avec monsieur qui gagne pouvoir de décisionnel yo, pour yo capable pencher sur ça et prendre une décision pressée. N'a dit, je ne jodi a avec CSPN, Roi État-Major, et tout monsieur qui a le pouvoir pour décider dans toute action qui doit poser dans pays, pour le pays, pour question, surtout pour question insécurité. Que problème insécurité qui là, il est capable de résoudre. Et solution est là. C'est seulement saisir pour nous saisir solution. C'est pour autorité. Pressé, ça c'est solution ma baila. Pressé, mettez dans tête police là, policier à policier académiquement formé, qui crédible, qui compétent, qui a leadership et expérience et qui capable de gagner confiance policier. Choix ça y est fait avec institution tant que SPNH 17 chita parler avec nous pour faire choix ça yo et SPNH 17 c'est déjà une institution qui que policiers ont fait en pile confiance et deuxièmement qui connaît tout besoin SPNH et PNH là alors policiers ont besoin matériel de protection. C'est-à-dire, gilet, casque, radio de communication. Bon, ça c'est totalement à refaire. Communication en dedans institution. Véhicule blindé. Bon, gens armes et munitions. Et latrier. Pour capable faire face avec situation ça. Pour capable redresser tant là. Et l'autre bagaille qui est très très important pour institution. Et que CSPN surtout doit penser à ça, doit faire souci pour ça, qui c'est santé mentale, physique
ak social policier yo. Nous dit santé mentale, physique ak social policier yo. Policier ou bien en d'autres termes moun ka fè métier da, métier zam pa gen droit frustré. Moun ka fè métier zam pa gen droit et a penser avec kay que pa ka payer ak petite ki malade ak li même ki gen ki souffrant ki pa ka l'hôpital pa gen droit a penser ak ti moun ki pa ka l'école gardon réouverture des classes là ne pa même penser à subventionner les policiers yo yo quitter yo ou même pour continuer dégager yo policier pa gen droit a penser avec bagaille ça pour la gratter tête côté le pa jeune l'argent pour le faire pour résoudre problème ça yo les comme ça policier pas a toujours et gagner insécurité policier pas senti si policier lui-même qui supposé d'abord en sécurité n'est pas en sécurité des besoins primaires que lui-même n'est pas capable satisfaire yo comment est-ce que nous pas capable gagner sécurité que n'a cherché là et nous quoi gagner yon auteur qui écrit sur ça sur l'art de la guerre qui est Sun Tzu côté que lui dit comme ça que gens de souci ça yo policier pas gagner droit yon monde qui a fait métier des armes pas gagner droit gagner donc n'a demandé avec CSPN là pour capable penser à résoudre problème ça yo comme ça n'a capable remonter pente là et descendre aux enfers là n'a capable sortir là dedans yo petit policier qui mouri yo l'école là pas ouvert là en pile maman petite policier qui mouri yo ne pas comment pour faire alors l'école là ouvert l'école a commencé à fonctionner même donc on va avoir petit monde l'école donc comment on va passer pour voir petit l'école et bien nous même en dedans structure SPNH 17 nous penser dans semaine qui vient là pour nous capable bailler des matériels scolaires avec petite policier ça yo valise cahier plume crayon nous penser à bailler petit accompagnement ça pour capable aider petit monde rentrer l'école parce que petit policier, yon policier qui t'a baillé nation en service, li pas capable à souffrir. Faudrait bien-t-il que l'institution prenne charge si mon policier ça a jusqu'à 18 ans. Donc, nous laissons place avec Maître Mani, qui va faire toute historicité ça, et puis qui a. Ce que je dis, c'est que Fondation J'éclairé, dans le cadre d'activité monitoring des institutions publiques, l'a fait, dans la prison, nous faisons des constats alarmants. Nous constatons des cas, par exemple, un monde qui est dans la prison, qui est jugé, qui est condamné, par exemple, pour 3 ans, et puis il a 8 ans en prison, il est là toujours. Il est pour sortir. L'un cherche à comprendre la raison, c'est que le monde n'a pas qu'à sortir parce que le greffier n'a pas jugé. Pas vous et dispositif jugement dans la prison. Et pas vous et dispositif jugement, parfois c'est parce qu'elle t'attend que par un monde qui est dans la prison, balle 500 gouttes, 1000 gouttes pour frais d'expédition que le monde n'a pas gagné. Donc le nègre fait 4-5 ans prison en plus pour 1000 gouttes, pour 500 gouttes. Donc le nègre a jugé, il est condamné, il fait tant en prison, mais il n'est pas qu'à libérer peut-être 500 gouttes. Et pendant que nous parlons là, la situation ça n'a pas concerné de monde. Nous jouons par exemple dans la prison civile de Port-au-Prince, il y a 474 personnes qui sont en prison depuis 2010. Son commissaire gouvernement qui fait un mandat de coup, niveau le bénédicier. Commissaire gouvernement ne doit pas dans la justice encore, ou bien prendre une promotion en appel. Mais depuis 10-11 ans, les gens sont en prison. Pas jamais un juge qui est là, il n'est pas jamais comparé devant l'autorité judiciaire, il n'est pas un dossier qui est introduit dans le cabinet d'instruction, donc son monde est abandonné, il est là, depuis 2010. Il y a 102 personnes qui sont en prison dans la pénitentiaire nationale, qui en attente de jugement depuis 2010. Toutes conditions réunies pour juger, mais il pas jamais jugé. Il y a 189 détenus qui ont un dossier depuis 2010 dans le cabinet d'instruction.
Des fois, juge d'instruction sur dossier, mandat le bout, il n'y a pas renouvelé. Ou bien il prend promotion là dans l'appel. Il n'y a pas jamais fait inventaire pour prendre un dossier ça, pour voir le l'autre juge. Donc la loi prévoit pour deux juges là, tu fait 3 mois pour le rendre ordonnance. Et bien, nous sommes en prison depuis 2010, depuis 11 ans même. Donc, le cabinet d'instruction n'a jamais rendu ordonnance pour lui, ni ordonnance de renvoi, ni ordonnance qui a dit que vous le juger, ni ordonnance de non-lieu qui pour libérer. Donc, il a abandonné la prison. Dans la prison, femmes sont dans le cabaret. Depuis 2012, il y a 40 femmes qui ont une décision pour vous le juger. Le procès n'a jamais fait. Il va jamais juger puis fixer au sous-sol. Gain 70 femmes depuis 2012 que commissaire gouvernement voyait en prison, il pas jamais comparé devant juge. Dossier pour que jamais introduit ni dans tribunal ni dans cabinet d'instruction. Situation ça interpelle nous et nous rendons compte tout le monde ça qui a fait prison préventive ça qui a abandonné dans prison yo. C'est parce que c'est des gens qui n'ont pas de moyens pour payer un avocat. C'est des démunis arrivés. Les gens qui ont une situation qui ont moyens pour payer un avocat n'ont pas joindre dans la situation. C'est ça que fait, avec le concours du programme des Nations Unies pour le développement de PNUD, nous mettons le programme ça sous pied pour nous voler au secours de ces démunis, de gens pour nous renforcer l'accès à la justice. Là. Accès à la justice, là, ça veut dire c'est un citoyen qui a droit à un problème pour un juge qui tend pour une décision qui rend un problème mien et pour une décision ça capable d'exécuter. Donc, les gens qui n'ont pas de moyens, généralement, ils n'ont pas accès à la justice. Donc, le programme, là, c'est renforcer l'accès à ça et nous avons deux volets là-dedans. Premier volet, là, c'est en assistance juridique que n'a bay moun ki gen bien besoin ça. Ça veut dire qui ça? N'a gen en permanence nan fondation J'éclairé nan bureau côté gen des avocats kap la du lundi au vendredi de 8h du matin à midi pour bay des consultations juridiques à moun ki gen des problèmes juridiques et qui pa ka payer un avocat. Donc toute consultation ça yo pral faire gratis ti chéri. Deuxième volet, c'est un assistant judiciaire. Ça veut dire tout le monde qui a un problème la justice et qui tout cas nous sont cité là côté moun yo et bien juge pas attendre yo dossier fermé dans tiroir yo abandonné dans prison et bien parce que moun ça yo pas gain moyen pour payer un avocat et bien fondation a une équipe avocat qui au service de moun ça yo pour nous accompagner yo gratuitement pour permettre que yo capable intervenir sur dossier yo décision prend yo capable exécuter pour nous respecter droit que moun yo gen l'on moun privé de liberté li nan prison ça pa vle dire que li pa gen droit li gen des droits et droit yon nan premier droit que li gen son droit fondamental son droit pour comparaître par devant les autorités judiciaires donc l'autre droit que li gen son droit pour juger pour le fixer sous sol, pour le compte pour qui ça là, pour combien de temps là, et s'il doit libérer, pour libérer. Et l'elfine qui a une décision, ça, il a l'autre droit, c'est le droit à l'exécution des décisions obtenues. Droit pour le jugement qu'elle a obtenu, pour exécuter. Il n'est pas normal dans le pays, pour le juger au monde, pour le condamner. L'elfine fait tant la loi prévoir que condamnation en bas, il y a en prison. Pour le pas libérer peut-être 500 gouttes, peut-être 1000 gouttes, pour le bâillon greffier, pour être capable de taper décision pour lui. Et bien, tout le monde qui est dans la situation, eh bien, après le supporter pour nous renforcer l'accès à la justice du monde de Munis. Le monde qui n'est pas capable de bénéficier de support, de appui, Fondation J'éclairé, c'est le monde qui est accusé dans le cas de viol. Nous ne pouvons pas défendre les gens qui ont violé les gens. Les gens qui ont fait enlèvement et séquestration, nous ne pouvons pas défendre les kidnappeurs. Les gens qui ont dans la drogue, nous ne pouvons pas bénéficier du support. Et quatrièmement,
moun ki fè nan trèt de person, c'est-à-dire moun ka pran moun pou rekrutèl par la violence, la ruse, la tromperie, et puis pour exploiter sexuellement, ou bien pour exploiter par le travail forcé, par la vente des organes, moun ki nan crime grave sa yo, nou pa défann yo. A part quatre catégories de détenus sa yo, tout moun ki en situation kote ou besoin assistance juridique ou bien assistance judiciaire, dont avocat, et pour pas gen moyen pour payer avocat, Fondation J'éclairé représente jodi a un porte pour vous que vous capable frapper et pour nous voler au secours de vous. C'est ça le programme là. Merci beaucoup. Et au commandement, renouveler engagement li pour le bail population en protection. Très souvent, de voir ça qui se servir et protéger population paraît difficile surtout dans la conjoncture politique. Et commandant en chef là, M. Léon Charles, évitez tout policier qui est ligne la loi avec règlement police là-bas pour faire travail. Jean la loi m'a dit pour faire ça. Il y a un plan sécurité qui rentre en application dans l'occasion d'entrer l'école là. Côté présence la police renforcée dans l'environnement tout côté qui est l'école. Côté de CPR, qui c'est Direction Centrale Police Routière, avec Edupol, yo ap la pour accompagner élèves yo et parents yo. Conducteur, yo mande yo tout pour faire preuve de prudence et puis limiter excès de vitesse yo, surtout dans zone côté qui gen l'école. Policiers qui affecté dans Direction Centrale Police Routière recevoir instruction pour sanctionner tout monde qui pas entendre respecter règles circulation côté yo fait ça yo veut et provoquer embouteillage camion yo pas ka circuler dans heure de pointe yo sorti 6h pour arriver 9h dans matin et 3h dans après-midi pour arriver 6h dans après-midi 3h pour arriver 6h dans après-midi c'est que 6h dans matin arriver 9h dans matin. La pour prendre encore 3h pour arriver 6h dans l'après-midi. Et tout le monde qui refuse entendre, respecter ça, tout camion, tout conducteur camion qui pas respecter ça, il a tombé en bas contravention. Opération marché prend. Le commandement police nationale là lance une opération qui baptisé marché prend. Opération ça a décrété sous tout département. Opération ça a pour principal objectif croiser tout bandit qui pensait capable faire ça ou voulait dans terroriser population. Rétablir l'ordre et sécurité dans zone tension. Rester présent dans tout axe principal. Monter opération dans tout côté qui des foyer gang cap bougeonner. Bilan opération marché prayo. Sorti 1er août, rivé 20 septembre, dans le cadre d'opération qui baptisé marché prayo, la police rivé procéder avec arrestation 1250 individus pour association de malfaiteurs, vol, viol, détention illégale d'armes. N'a pas mis moun qui arrêté yo, il y a 4 qui arrêté pour kidnapping. N'a fait nous connaître. Pour qu'il y ait non moun sa yo, à qui dossier kidnapping yo te impliqué, la police choisit pour parler de ça, pour bien enquête là. Gagné 26 âmes qui rivé saisi. Gagné 21 voitures qui rivé saisi. 3 camions, 54 motocyclettes. N'a souligné, motocyclettes sa yo gen pile, ces motocyclettes yo volé, nan men l'autre monde. Et yo distribué le bay l'autre jeune garçon qui pour faire taxi et qui va servir en peine pour bandits. Et il y a plusieurs bandits qui arrivent à stopper. Quelques interventions, la police arrive à réaliser. Dans Jérémy, c'est dans le cadre d'opération marché prayo. Dans Jérémy, il y a une opération qui est menée. Côté la police arrive à saisir un fusil d'assaut M16 avec un 38 dans mes bandits. Il y a 6 familles qui arrivent à stopper.
dans la date qui était 17 pour arriver 20 septembre, la police fait plusieurs interventions dans le des bouquets. Côté te gagne plusieurs échanges entre la police et plusieurs bandits. La police arrive saisir un camion que les bandits ont utilisé en démarche tabac. Yon pick-up que plusieurs bandits ont aboli, te couru quitter. Pendant que tu as échangé avec la police, yon couru quitter une machine qui était aboli. PNH, te gagne un policier qui est blessé, malheureusement, dans l'opération. Il y a plusieurs bandits qui ont été stoppés. N'a pas formé. Il y a 35 motocyclettes qui sont arrivées saisies. Il y a 75 personnes qui ont été interpellées. Il y a parmi eux, la police a des informations sur eux déjà. Et la police a privé, travaille sur les yeux pour connaître qui est. Et nous-mêmes, nous parlons pour nous informer de qui nous avons joint parmi eux. Dans le sud pays, la police a privé procéder avec arrestation trois bandits. Sur l'information, les bandits ont partagé, ils ont fait connaître, ils ont sorti dans le village de Dieu. Et ils ont allé dans le sud pays pour aller faire un acte. Et ils ont arrivé à retirer la vie de deux citoyens, qui c'était Périclès, Claude et Roselyne Pierre. Ils ont rentré dans l'individu, ils ont retiré la vie. Les gens qui ont fait ça, c'est Chenet, Destiné, 29 ans, Ronaldo Jusma, 22 ans. Et Paul Guess Forestal, 40 l'année. La police t'est informée et la police lui-même t'est doublé la vigilance. Elle était cherché mon sao tout partout, dans la camionnette, à bord taxi, à bord moto. Tout le monde qui t'a passé, elle était cherché. Elle dérivait mettre main sur toi, individu sale. Yo-même, yo te porté des armes, yo te fin faire zak ça dans un gros galon jaune. T'as pour tout le monde qui pourrait acheter gaz. Et c'est dans le galon ça, yo te porté des armes. Et personne ne va pas prêter comprendre en deux galons ça, tu as des armes pour le poté. Et tu as des jeunes l'autre bagaille tout en deux galons ça. Tant que chaîne, téléphone et l'argent que tu as pris côté de l'Italie qui est allé dans galons ça. PNH a attiré attention tout le monde. Dans la zone provinciale, dans la capitale, là où il y a un monde qui est suspect de la caille, informez la police. Mon, tout le monde qui est venu dans la zone, yo wè yo suspect, yo pa di rien et malè arrivé. Le nou yon moun ki suspect, informe la police. La police rive saisi nan date 20 septembre yon véhicule Toyota Hilux de couleur noire, numéro IT04944, propriété de Vitelon. Toujours nan cadre opération marché pran yo, BLTS rive procédé avec arrestation 5 individus. Pour trafic de stupéfiants, avec plusieurs kilogrammes de produits assimilés à cocaïne et marijuana. La police rivée a arrêté deux parmi eux. La police rivée a arrêté l'aéroport Port-au-Prince. C'est Michel Lapointe et Edner Rémy qui ont essayé de camoufler les produits en dans la valise que vous avez voyagé. Mettez sous ça, vous mettez en dans souliers qui sont dans la valise. En bas semelle soulier sa yo. Heureusement, la police rive vérifier bagage moun sa yo, li joine produit sa. Gen deux l'autre individu qui c'est Sino Benson et Polo Amos, la police rive procéder avec arrestation yo avec 5.65 kg de paille assimilée à marijuana. Yo t'a transporté sou yo. La police rive procéder avec arrestation yo l'autre individu qui relé Julanor Petit avec 13 kg de marijuana que l'État a transporté. La police a continué le travail, a cherché tout le monde qui est impliqué dans le mauvais acte. Nous-mêmes, la population et de la police. Pendant que l'autre monde a marché déstabiliser le pays, la police a continué le travail pour aider à garder un climat de paix et de sérénité dans tout le pays. La presse, citoyens conséquents, parents, en aide de sauver le pays, ça, nous avons des problèmes de société. C'est nous-mêmes qui pouvons changer. Ce n'est pas le pays qui a changé, mais c'est nous-mêmes. Les gens qui vivent dans la société, c'est nous-mêmes qui pouvons changer. En nous changer le comportement, la façon de nous façon nous penser, la façon de nous agir, laisse ça, nous avons l'autre pays, nous avons l'autre société. Merci.
Merci. Je fais place à ces questions dans le cadre de la conférence de presse. Je vous le dis. Et Métropole. Merci beaucoup. Moi-même, c'est Jean-Jules Desaugustes. Je travaille pour Radio Télévision Métropole. Madame la porte-parole, on ne va pas vous demander d'entrer dans les détails, mais sur la RIA, rumeur a fait quoi qu'il y ait deux policiers qui ont été kidnappés. Est-ce que vous êtes capable de confirmer Zach kidnapping ça pour nous, même si on ne va pas demander d'entrer dans les détails, question de stratégie, sans vous passer, sans passer les mots qu'il faut pour répondre, évidemment. Merci beaucoup. Je nous te dis, l'on a commencé à. Les dossiers kidnapping, nous ne choisissons pas pour entrer dans le détail là-dedans. Et nous, même la police, nous faisons un travail sur dossier, tout dossier kidnapping, la police a venu là pour porter en détail chaque dossier, là où terminé. Merci. Deuxième question. Monsieur Joubert Joseph, je travaille pour Radio Kiskeya. En fait, il y a des rumeurs qui ont couru qui t'a fait quoi que. La police a fait un massacre hier soir dans Ravine Tétade. Côté de jeunes garçons, tu as fait une vidéo avec des faux armes. Quelle information la police a sur ça? Merci. Information qui arrive à nous. La police, pendant la fait patrouille, tu as une patrouille qui t'a trouvé dans la zone de la rue. Il y a plusieurs citoyens qui sont allés joindre les policiers qui étaient dans la patrouille, qui ont informé. Il y a plusieurs jeunes garçons qui avaient des armes dans la rue. Dans la rue Alexis, en zone qui est la Ravine Pétade. La police lui-même fait diligence, il est arrivé sur le lieu. Il est arrivé, il est effectivement, il a un nègre qui a des âmes dans la main. Pendant qu'il a approché tout, il a tendu des détonations. Il a obligé de demander un renfort. Il a l'autre renfort qui est arrivé à la jeune police. Et il a l'autre détonation qui est arrivé à tendre. Il a approché avec un renfort qui est arrivé à la jeune police. Il a obligé de tirer sur le monde, il y a des âmes dans la main. Et là où tu es fini, il y a des juges de paix. Constat est fait. Et après constat, il y a des âmes dans le monde. C'est une enquête qui a déterminé si c'était bon ou bien mauvaise âme. Mais la police lui-même, pendant qu'il était fait intervention, il n'a pas qu'à déterminer si c'était bon ou c'est mauvaise âme. D'accord. Troisième et dernière question. Et on a dit bonsoir, nous sommes ici Oriol Jacquin, nous travaillons pour Radio RCH 2000. Et question par maintenant, et madame, et par rapport à l'insécurité, nous connaissons qu'a fait la rage dans tout le pays, comment la police est venue compter et contrôler ou soit aider les gens qui sont et côté qui vraiment intouchable, yo aller à l'école par rapport à l'ouverture de l'école. Comment la police qu'a aidé moun sa yo, soit aidé parents sa yo, qui pas qu'a déplacé à l'enfermer qu'à l'autre côté, qui nan ghetto yo, qui nan côté qui pi danger yo, aidé parents sa yo, voye ti moun yo l'école. Merci. Merci. Dans le cadre d'opération marché pran yo, c'est peut-être ça la police, ouvre une opération marché pran yo. Nous même population, aidé la police, j'en plus information. Et nous gagnons police routière, nous gagnons Edupol. Nous avons toute la police là qui met ensemble, qui peut aider les parents, les élèves, pour reprendre chemin à l'école. Et nous-mêmes, les gens qui ont mis aider la police à parler. Aidez-nous à parler pour nous dire non, ça n'a pas qu'à continuer dans le pays. Merci. Voilà. Et merci avec tout le monde qui est branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec la chaîne. Non? Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.